Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne ici-bas et maintenant. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé réflexion. Pour certains d'entre vous, vous avancez pas à pas, petit à petit, un pied devant l'autre. Et comme vous ne pouvez pas tout faire à la fois, n'est-ce pas? Eh bien, utilisez votre réflexion pour hiérarchiser et planifier vos projets ou vos tâches. L'intuition est là, n'est-ce pas? L'intuition vous donne le cap, la direction à suivre, comme la vision joyeuse d'un rêve ou d'un projet de cœur qui vous attire. Et votre réflexion peut être, au service de cette intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Ce qu'on ressent est toujours très exact. Offrez-vous plus de temps pour coucher sur le papier vos différentes stratégies de réalisation. Des visions de votre intuition. Est-ce que vous avez une vision ou vous êtes en train de, peut-être, de méditer? Intuition. Eh bien, planifiez un moment dans votre semaine, dans votre week-end ici, où vous pouvez la réaliser. C'est la réflexion. Alors, pourquoi pas réfléchissez, pensez à un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être au niveau de votre vie professionnelle, votre vie personnelle, ça peut être un voyage, ça peut être, pourquoi pas, un nouveau logement, un nouveau travail, pourquoi pas une nouvelle rencontre. Faites une pause en prenant conscience de la position de votre corps et de votre souffle. Inspirez et expirez profondément. Eh bien, pour relâcher les tensions. Les tensions de votre corps et retrouver un calme. Le calme dans votre esprit. Parce que c'est un fouillis pour le moment. Et puis, notez les premières actions à réaliser pour atteindre, cette première étape de votre projet que vous désirez. Et faites confiance. Faites confiance à votre intuition et surtout faites confiance à votre réflexion parce que cette carte, c'est la réflexion. Et comme vous ne pouvez pas, tout mettre en œuvre en une fois, on vous demande de réfléchir comment vous pouvez procéder. Et peut-être demander autour de vous de vous aider. Alors aujourd'hui, le mantra, ça sera « Je peux utiliser ma réflexion pour avancer. » C'est en réfléchissant qu'on peut mettre des choses sur pied. Donc, je peux utiliser ma réflexion pour avancer et ne pas avancer tête baissée, n'est-ce pas? Parce que là, ça va être la catastrophe. Hein? Allez, le secret au quotidien pour cette journée du 19 janvier. Le geste le plus important que vous puissiez effectuer
pour modifier votre situation financière consiste à donner 10% de ce que vous gagnez. C'est ce qu'on appelle la loi spirituelle de la dîme. Et c'est le meilleur moyen d'attirer davantage d'argent dans votre vie. Eh bien voilà, si maintenant c'est le projet que vous avez dans votre tête de gagner plus d'argent, la réflexion, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis surtout un joli week-end dans l'amour inconditionnel, l'empathie, la bienveillance, la tolérance. Et puis aussi, prenez soin de vous dans la douceur, n'est-ce pas? Prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. C'est aussi important. Et on se retrouve, eh bien, pour une prochaine capsule. Et d'ici là, moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très, très, très vite.